Et bro YouTube, on se retrouve pour la pour le 7ème, 8ème épisode de We Were Here Together, toujours avec Flo. Bon, je pense qu'on se rapproche de la fin, je pense que c'est sûrement le dernier épisode, je pense. Je pense aussi. Et du coup, la fin du dernier épisode est arrivée dans cette cage-là. Et bien, je ne sais pas ce qu'il faut faire, voilà. Alors moi je suis arrivé dans un couloir et je peux aller soit à droite soit à gauche, donc je sais pas quelle t'as une indication au cas où si c'est un labyrinthe. Bah moi en fait je vois rien, je suis dans une cage et je peux juste tourner autour de la cage mais je vois rien. Je veux dire j'ai une salle avec des chevaliers. J'ai des chevaliers effectivement. Alors, est-ce que c'est ça qui tourne, je sais pas, mais ils ont l'air de tourner. De pouvoir tourner, et c'est tout ce que je peux voir de là où je suis. Ok. Alors moi je suis allé à droite du coup, au cas où. J'ai des... T'es à droite où? T'es à droite de moi? Non, t'es où? Non, je suis allé à droite parce que moi j'étais dans un couloir, je pouvais aller soit à droite, soit à gauche. Tu me vois pas? Je pensais que tu me voyais, c'est pour ça. J'espère que je vais pas me perdre. C'est une espèce de salle du trône que je vois. Avec 4 chevaliers, t'as des blasons, enfin des blasons au mur, des blasons différents, des blasons différents. Attends, je suis derrière toi. 4 blasons différents. Comment ça derrière moi? T'es où? Une fenêtre. Ah, ok. Il est là. Comment on fait déjà? Oui, coucou. X. Allez, donc ça. Donc du coup là je suis là. Donc moi je suis bloqué là, regarde. Je peux pas bouger de ma cage. Il y a un truc là, une manivelle, donc je fais fonctionner tout. Pourquoi il veut pas faire fonctionner? Ouais, attends. Ça fait rien. Ah si, tu me fais descendre. Tu m'as ouvert. Ok. T'es descendu. Ouais. Alors, moi, je vais peut-être aller de l'autre côté, du coup, je suis à la droite, peut-être aller à gauche pour te rejoindre. Alors, il y a un bruit de... Comme s'il y avait un timer. Ouais, je l'entends. Je vais aller à gauche, voir s'il n'y a pas un truc à faire. Et là, bah, je sais pas, il y a des chevaliers, je peux rien faire avec. Ouais. J'ai un bouton, je pense. J'ai un bouton pour valider, je suppose. Ah non, je peux tourner les. Quand j'appuie le bouton, ça fait tourner les chevaliers. Quand j'appuie le bouton. Ok. Les 4 tournent en même temps. Ok, là il y a une autre manivelle, je comprends pas ce qu'il faut faire. Les 4 tournent en même temps. Ils ont là, j'ai des chevaliers aussi. Ils ont l'air de tourner dans le même sens. J'ai des chevaliers. Ah, attends, j'ai un truc. Tirer. Est-ce que ça peut bouger les chevaliers là? Non, il y a que moi qui peux bouger les chevaliers, j'ai l'impression. D'accord, parce que moi j'ai 2 chevaliers devant moi. Et enfin, ah, j'ai un. Ils tournent plus dans le même sens, les chevaliers. Ils sont pas dans le même sens. Peut-être les mettre dans le même sens, non? Bah là, j'en ai 3 dans le bon sens et j'en ai un qui est pas dans le bon sens. Mm-hmm. Pas de tourner, toi? Moi, enfin, donc, ce que je peux faire, c'est en dessous les chevaliers. Il y a une sorte de truc à tirer. Ça fait changer la flèche soit à droite, soit à gauche. Ok. J'ai que 2 chevaliers. Un qui est en face de moi, un qui tourne. Est-ce que je peux te voir Est-ce que je peux voir les chevaliers de là? Yes. Ah, je peux tirer ça. Mais je... J'ai tiré un rideau, je sais pas si ça te fait quelque chose. Non.
J'ai tiré un écusson. Je sais pas si ça fait quelque chose. Ah, j'ai la lumière qui arrive. Ok. La lumière qui arrive sur un des chevaliers. Tu peux peut-être allumer l'autre plus loin. T'as activé le levier, c'est ça? J'ai activé un levier, ouais. Ok. Et le levier, je peux faire soit aller la flèche à droite, soit aller à gauche. Là, c'est un chevalier qui est pas face à moi. Et il va vers la droite. Il est en... Ok, bon, je passe au prochain rideau peut-être, je sais pas. Faut faire peut-être ouais, dans l'ordre. Peut-être allumé, Vas-y, je t'ai mis une lumière là. Ouais, non. Bah, si. T'allumes pas le deuxième. Bah, la j'ai. Là, je suis en face de celui que t'as fait avant. T'as éteint. T'as éteint l'autre. Oui, d'avant. C'est normal, j'ai changé. Trouvé. Maintenant, je suis en face de celui que tu viens de faire. Je suis de l'autre côté. Ah, alors je suis peut-être que j'aille de l'autre côté du coup. Il n'y a pas de chevalier là-bas. Alors, et puis c'est bon à aller de l'autre côté. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Là j'ai éclairé un autre... Si voilà, t'éclaires le chevalier de l'autre côté là. Ok, tire le levier. On va voir si c'est ça. Je l'ai fait tout sympa, hein. C'est bon? J'ai tiré, ouais. La flèche va vers la gauche. Bah j'ai gagné. Je sais pas ce que j'ai fait. Ok, moi je joue pas. Ok, j'ai rien pigé. Mais soit. Et ouais. J'ai absolument rien compris. Hein. Ouais. Genre vraiment. J'ai une cinématique. Ouais, pareil. Je le vois arriver devant moi. J'ai une femme devant moi. Bah, c'est la femme qui m'a guidé tout à l'heure. Ah, ok. Quand j'avais l'épée. Elle me protège. Ouais. Moi, je suis derrière, mais ouais, pareil. Ok, bon, qu'est-ce qu'on doit faire du coup? Une sortie. Ouais, faut que je trouve une sortie aussi. Ouais. Le dragon est quelque part à la gauche du roi. Le chevalier le plus proche de la gauche du roi manie l'épée. Et le cerf ne se trouve pas aux extrémités. Le chevalier maniant la hache est quelque part à sa droite. Ok. Ah, pareil, j'ai des indications aussi. Ah, je peux prendre des armes sur des chevaliers. Okay. Ah, moi je peux prendre. Ouais, j'ai des boucliers avec des animaux dessus. Ah, ok. Et j'en ai 4. Le dragon est quelque part à la gauche du roi. Il est où le roi? Le roi il est au milieu. Ok. T'en as deux et deux de chaque côté. Donc le dragon est quelque part à gauche du roi. D'accord, donc à gauche faut que je change de place, ok. Le chevalier le plus proche de la gauche du roi manie l'épée. Ok. Je pense que c'est lui qui manie l'épée. À gauche du roi. C'est quoi la gauche du roi? Ah, c'est à gauche de lui. Donc là. Ouais. Je dirais que c'est là l'épée du coup. Chevalier Manu. Le cerf. Qu'on va faire d'abord quoi? Le cerf ne se trouve pas aux extrémités. Le chevalier maniant la hache est quelque part à sa droite. Hein? Voilà, ça va trop vite là. Donc le cerf ne se trouve pas. Toi, t'as quoi comme indication? Alors, par contre, j'ai d'autres indications, mais faut peut-être les faire une par une, non?
Bah, dis-le moi. Que je regarde qui est mort. J'ai le cerf. Y'a du temps, hein. Il se rapproche, hein. Faut se dépêcher. Je veux pas t'affoler, mais... Moi, le premier truc, c'est le sanglier à le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche. Quelque part à le deuxième, sa gauche. C'est le phénix maniant bah, c'est le marteau. Ce là. Le dernier à gauche. C'est la masse, c'est ça, t'as dit? Le dernier à gauche, ouais, c'est la masse. Et ben là, tu mets ton sanglier ou je sais pas quoi là. Sanglier? Là où je suis. Le dernier à gauche. Okay. Et donc sanglier. Du coup, l'autre à gauche, c'était quoi? C'est... dragon, non? Oui, le dragon. Donc là, c'est le dragon, là. Okay. Donc ensuite. Les autres indications, c'était quoi? Le phénix maniant, le marteau, se trouve quelque part à droite du cerf. À droite du cerf. Le cerf ne se trouve pas aux extrémités. Donc le cerf, il est là. Le cerf, ouais, il est à la droite. Il est là, ouais. Là où je suis. Et du coup, là c'est quoi l'autre, tu m'as dit? L'autre c'est le phénix. Le phénix ici, et le phénix il manie quoi, t'as dit? Et le phénix... Le phénix maniant le marteau. Ah, ok, ça c'est un marteau, donc ça c'est la massue, ok. Et le dernier truc c'est les chevaliers, deux extrémités. Normalement c'est bon pour moi. Les chevaliers, les deux extrémités ne manient pas le marteau. Quoi? Pas de marteau aux deux extrémités. Comment ça? C'est le troisième truc, c'est le... Ouais. Je comprends pas là. Bah du coup faut que t'inverses les deux toi. Les deux. Là c'est pas le... Là c'est pas... Là c'est le... Celui avec la... le marteau. Donc, je sais plus ce que t'as dit avec le marteau, quel animal c'était. Je sais plus. Marteau. C'était de ton côté ça le marteau. Le phénix maniant le marteau se trouve quelque part à droite du cerf. Le cerf il se trouve déjà à droite. Si. Pour inverser. À droite du cerf. Il se trouve à droite du cerf. Bah à droite du cerf. Du coup. Et c'est quoi tu m'as dit le dragon? Attends, le dragon c'était quoi? Le dragon est quelque part à gauche du roi. Donc le dragon est quelque part à gauche du roi. Donc à gauche du roi. Le dragon il est... Le dragon je l'ai mis premier à gauche. Et le cerf ne s'ouvre pas aux extrémités. Donc le cerf il est forcément... Et toi t'as quoi comme truc avec les animaux? En indication. Ouais. J'ai le phénix maniant le marteau. Attends, le phénix maniant le marteau. Ah ok. Quelque part à droite du cerf. Ok, donc le phénix il est là. Le phénix se trouve où? Là. Phénix ici. À droite. Non, là où je suis. Pas tout à droite. Tu vois où je suis là? C'est l'avant-dernier. Ouais. C'est bon? Non, mince. Phénix. Et du coup, à droite, là. Tu m'as dit à droite du cerf, c'est ça? Ouais. Donc le cerf, le cerf il serait là. Ça? Là. Annie. Droite. Non, l'autre côté. Gauche. Ouais mais là j'ai mis le... D'accord. Le cerf il serait là. Et du coup t'es quoi l'autre indication que t'as? Ou faut, là, se, faut se dépêcher. Le sanglier dans la main. Ouais mais t'es plus d'indication là. Le sanglier et le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche. Maniant la masse. Le chevalier maniant. Attends, répète. C'est le sanglier à la... Le sanglier à le chevalier maniant, la masse quelque part à sa gauche. Ok, c'est là. C'est-à-dire que c'est là. Chevalier qui a... Là. Donc ça, c'est le quoi chevalier... c'est quoi ça? C'est le sanglier? Le sanglier, il est où? Toi, t'es où? Mais, oui. Comment ça, le sanglier? Ok. Le sanglier... Hein? Bah, mets-tu où le sanglier? Mais j'ai pas de sanglier, moi, le dragon, attends. Le sanglier, le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche. Bah la masse elle est là. Et où? Je te vois pas.
Bah si, je sais pas pour savoir. Bah je suis faut à une extrémité. La gauche du roi. Bah je sais pas. Là là, oui là où t'es là. Bah, tu me vois pas là? Je vois pas non. Bah tu me vois à travers. Tu me vois à travers là. Je te vois là. T'es en face de moi. Tout à gauche. Bah t'es en face de moi là en fait. Ah oui, t'es là, bah tu sautes, t'es en l'air. Bah oui mais je suis là. Le sanglier doit être à gauche. Quelqu'un qui manie. Non mais là, là le sanglier il est là. Là le sanglier il est là où je suis. J'ai mis le cerf. J'ai mis le cerf là. Bah le cerf il est pas là le cerf. Là c'est le sanglier. Le cerf il est à côté. Le cerf il est à côté pour moi. Bah non c'était le dragon. Le dragon doit être à droite. Oui et bah non là c'est oui bah ça le cerf il est là. Le cerf il est là. Et le dragon du coup il est à. Tout au à l'extrémité à droite. Oui, il est à extrémité droite, c'est ça. Et là, t'as le. Phoenix. Le phénix, ouais. Voilà. C'est pas ça. Inverse le phénix et le cerf. Inverse phénix et cerf. Pour voir. Oui, non. Oh merde. On a perdu. Putain, je crois bordel. Oh, l'enfer. Ah ouais, c'est compliqué à comprendre les trucs là. Mais en fait, tu regardes pas à travers. Parce que en fait, chaque fois, je te vois, mais tu, en fait, tu me regardes pas. Si, je te voyais, mais t'étais en l'air en fait. Et du coup, enfin, moi, je regardais vers le bas et je te voyais pas. T'étais en l'air en fait, t'es pas au sol. Mon personnage flottait. Je sais pas si ça a été les mêmes indications du coup. Non, bah, ça, c'est la salle avec le timing là. Faut qu'on se dépêche. En fait, c'est compliqué la gauche et la droite. Oh non, on revient de là. Non, on doit tout refaire là. Ah non. Ah non, faut que je prenne le truc, ok. On a la cinématique. Ah oui, non, ouf. Ah, j'aurais eu le seum là. Ah oui, pareil. Et donc, faut refaire toute la cinématique. Oh, faut qu'on refasse les chevaliers, ça veut dire. Oh, oh non, on a vraiment pas compris en plus. Oh non. Oh, faut vraiment qu'on y arrive, c'est, faut qu'on y arrive directement les trucs parce que j'ai pas envie de refaire chevalier 15 ans. Je te le dis, c'est le pire truc. Hein. Ah, the soul stone. Restored. You've done it. Bon, on l'a déjà vu, on va passer les années. Not but flesh may hold the stone until presented before the throne. Played your part brilliantly, mortal. Now it's time for you to exit the stage. This is all I require now. For tonight, my king. Once I bind you, I will end our curse. Unfortunately for that, my caged friend. Well, I am in need of your soul. The moon is almost at her highest position. The hour draws near. Tick tock, tick tock. Oui? Parce que depuis tout à l'heure, j'appelle, je. Bah, j'ai la cinématique à fond dans mes oreilles, donc c'est pas ce que t'as dit. Ouais, c'est pour ça. Je sais pas comment passer, je vois que tu veux passer, mais. Ah, bah non, mais c'est fini. C'est trop tard. Faut que tu me libères. La cinématique est longue. Ouais, t'as encore cinématique toi? Oh ouais. Comment ça se fait? Ça, je croyais que tu pouvais passer à la cinématique et. Bah, normalement, oui. Mais. Vite, quoi, mais. Bah, je sur le clavier, pas, je sais pas c'est quoi la touche sur le clavier. Bon, là, c'est fini. Normalement, c'était là pour te libérer. Vous auriez pu mettre un point de sauvegarde, quand même. Bon, après, c'est nous qui sommes pas assez rapides, hein. Nous sommes trop bêtes. Ça descend, oui. Allez, let's go.
retourne au truc éclairé, on va refaire comme on avait fait, je vais t'éclairer, tu vas tirer la manivelle, on va refaire comme on avait fait. Et dans le doute. Et je sais pas de quel côté t'es. C'est le premier que t'avais fait avec la lumière. C'est je sais pas, à gauche pour toi? Non, je sais pas. Mais tout à l'heure j'avais deux. J'en ai un qui est éclairé. Qu'est-ce normalement là. Alors c'est pas ici. Y'a qu'un seul là de ce côté là. Moi j'avais l'autre côté du coup. Libéré de. Je l'ai à droite, là je vais à gauche. Là où il y en a un d'éclairé là. On tire sur la manivelle. Enfin sur le levier, c'est bon? Je viens de tirer, c'est bon. Ok, alors j'avais fait ça. Ensuite, tu retournes de l'autre côté je crois, il me semble. Là j'avais fait ça. Attends, je regarde si c'est pas allumé là. On peut faire déjà mieux. L'autre côté. Okay. C'est long hein, pour aller à chaque fois d'un côté à l'autre. Là je t'ai remis de la lumière a priori. Bah là, je te dis dès que j'arrive. Alors là où il y a la lumière. Je tire sur la même nivelle, c'est ça? Ouais. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Ok, et ensuite j'avais spammé le bouton. Allez. Ah! Ça remarche pas. Ah, fait chier. Je comprends pas. Attends, il y je vais. Quelque chose à faire avec le troisième de côté là. Tu penses? Vas-y, bah fais. Vous pouvez faire la lumière que sur ces deux-là? Je vais te dire ça. Non mais retire sur le levier que t'avais fait juste avant là. T'es à l'autre côté. Non, enfin non pas le dernier levier que t'as tiré. Je dirais. Dernier levier, ouais. Ouais. Le retire. Ouais, je pense. Parce que là ils sont tous comme ça, donc là il faudra que lui il tourne. Alors attends, j'arrive. J'ai été voir de l'autre côté. Là, si, là où c'est éclairé. Là je t'irai éclairé le levier que tu dois tirer. Ok. Attends, je tire. C'est bon? Tirer. C'est bon. Ok. C'est bien ça. T'avais tiré deux fois le levier en fait tout à l'heure. Je m'en suis rappelé après. Alors, je sais pas comment passer la cinématique. Je sais pas. C'est une touche de ton clavier, mais. J'avoue que je ne sais pas. Ah d'accord, faut que je reste sur échappe. Ok, alors on y retourne. On commence par. Attends, je suis pas encore dans la salle. Ouais. On commence par tout prendre, sinon je prends tout. Hop, voilà. Alors. On doit tout me dire. Dis les tiennes et après je dis les miennes. Alors on commence par les armes, ok. Alors, ça c'est animal. Le chevalier le plus proche de la gauche du roi. Manie l'épée. Donc, le plus proche de la gauche du roi, c'est ici. Donc, ça, c'est épée. Hop, voilà. Ensuite, le chevalier maniant la hache est quelque part à sa droite. Ok. Et toi, t'as quoi sur les armes? Le sanglier, le chevalier maniant la masse. Alors, ça, on s'en fout. Ça m'intéresse pas. Phoenix maniant le marteau trouve quelque part à droite du cerf. Ah, par contre, c'est plus avec les animaux, moi, que j'ai. Les chevaliers aux deux extrémités manient pas de marteau. Manient pas de marteau. Donc c'est forcément. Le marteau il est forcément là. Du coup. Et ce qui fait que on a la hache du coup forcément ici. Et la massue là-bas. Ok. Allez, aux animaux maintenant.
Attends, je les récupère au pire les boucliers, comme ça je les mets dans l'ordre. Le dragon est quelque part à gauche du roi. Ok. Le dragon à gauche du roi, c'est... Je le mets pour l'instant à gauche, on verra si vous... Alors c'est à gauche par rapport à qui? Par rapport à moi? Par rapport au roi, non? Donc il serait de ce côté là. S'il est à gauche du roi, il serait de ce côté là. À droite quoi. Ensuite, ça c'est quoi ça? Ça on s'en fout. Le cerf ne se trouve pas aux extrémités. Donc le cerf il n'est pas aux extrémités. Ok. Ah vas-y, toi qu'est-ce que t'as sur les animaux? Alors, sur les animaux j'ai. Disons premier. Sanglier, le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche. Ok. À gauche. Donc le sanglier il est ici. Bah je sais pas, tu vois où je suis, je peux pas te dire en fait. Moi je suis à droite sur ma vision. Mais toi je sais pas comment tu regardes. Par rapport au roi, tu dis par rapport au roi. À droite. Bah par là c'est dans quel sens tu regardes aussi. Là je te vois pas. Si, là je te vois pas. Du roi, c'est... Et bon alors c'est à la gauche du roi. Ok. Là je te vois. T'es où? Encore bah à l'extrémité quoi. Là je passe quoi? À l'extrémité gauche. Bah, je sais plus ce que t'as dit, le sanglier, non c'est pas ça que t'as dit? Ah oh, je sais plus ce que t'as dit. Non, parce que le cerf c'est moi qui le dis. Donc t'es... toi tu parles pas du cerf. C'est ouais, c'est le sanglier. Donc là le sanglier ici. C'est bon? Okay. Donc ensuite t'as quoi comme d'autres infos? Le phénix maniant le marteau se trouve quelque part à droite du cerf. Alors le phénix il est là. Phénix est où? Je te vois okay. Derrière je crois. C'est bon? Ah ouais. Donc du tu peux redire la face à droite du cerf c'est ça? Cerf du coup. Et le cerf n'est pas. Le cerf n'est pas aux extrémités, donc le cerf il est là. Cerf il est où? De l'autre côté du roi. D'accord, donc faut que je l'échange avec le dragon. Non. Mais pourquoi? C'est où? Je te vois pas. Ah là, oui là. Non, pas là, là t'es au sanglier là. Là ouais. Là il y a le dragon. Bah t'avais pas tout enlevé? T'as dit que t'avais tout enlevé? Bah si j'avais tout enlevé mais je croyais que le dragon il y avait un truc qui me faisait dire qu'il fallait le mettre là, non? Non, pour moi le dragon du coup il est à l'extrémité, bon, on va regarder le placement, non? T'as mis le dragon là? T'es droite. T'as mis le dragon là, ici. Fais-tu moi. Ouais. Et c'est pas ça? Le dragon là. Échange le dragon et le sanglier, j'irai. Échange dragon et sanglier. Sanglier est de l'autre côté. Sanglier était pas à gauche. Oh, je comprends rien. Putain. Le cerf ne se trouve pas aux extrémités. Ah, si, c'est bon. C'est bon, j'ai le sanglier et le dragon. Oh là là. Du coup, on a pas compris, mais tant mieux. Non mais c'est avec les gauche-droite, tu sais pas comment tu regardes en fait, je comprends rien. Par contre le roi il est à... Le roi était en face de toi. Oui il était en face de moi. Du coup sa droite c'est sa gauche. Toi c'est l'inverse quoi. Ah c'est sacrifié l'autre, il veut quoi? Quoi? T'as quoi toi? Je sais pas moi. T'as quoi toi? Bah, moi j'ai rien du tout. Ah bon bah. Je suis. Et qui doit mourir pour que tu survives. Je te vois avec une espèce d'épée en face de moi, je sais pas ce qu'on se. J'ai appuyé pour. Ah bah yes! Me sacrifier. Super! Ah super! Ah il m'a buté! Moi, j'avais se sacrifier ou sacrifier l'autre et j'ai voulu appuyer sur sacrifier, il a pas voulu faire. Ah super le mec! Alors, fallait que je reste appuyé sur la touche. J'avais S ou W. Du coup, peut-être qu'il fallait que je reste appuyé. Du coup, là, elle a dit, bah je choisis à ta place en fait. Vu que ça a pas appuyé. Bah. Oh l'enfer! Je voulais me sacrifier.
Merci en tout cas. Super sympa. Bah, c'est elle qui a choisi. C'est elle qui a choisi, pas moi. Eh ben, je suis décédé, les amis. Quelle joie. Je voulais vraiment me sacrifier. Juste qu'il fallait rester appuyé sur le bouton, j'ai pas compris. J'ai compris trop tard. Oui, c'est lequel que j'ai choisi. À place. Ok, bon. Bon, bah, on va dire. C'est parce que je t'ai abandonné les deux premières fois qu'il faut me tuer, hein. J'ai dit, je voulais me sacrifier. Je te jure. Ouais. Je croyais qu'il fallait appuyer plusieurs fois sur la touche. C'est que à la fin, j'ai vu que tel un rond qui s'appuyait. Et en fin de compte, il fallait rester dessus, je pense, sur la touche. C'est ce que tu dis. Si, si. Bon, et bah, c'est la fin. Franchement, c'est le meilleur des trois pour moi. Franchement, je l'ai bien, bien kiffé celui-là. Que ce soit les musiques, les énigmes, les énigmes sont assez dures, mais pas trop non plus pour qu'on soit vraiment bloqué, quoi. C'est comme je disais la dernière fois dans une autre VOD, vraiment, faut juste se parler, et en se parlant, on y arrive très bien, en fait, tu vois. Y a pas de bug, y a rien du tout, enfin vraiment, c'est très très bien réalisé, très très... j'adore les musiques, donc vraiment... Que du positif sur ce troisième opus. Je pense que t'en as pensé, toi, Flo ? Si, complètement. Les énigmes, la plupart du temps, c'est soit des erreurs d'inattention, soit des... Attends. Petite cinématique. Maintenant, maudit, je reste. Maudit, tel est mon désir. Vous. Comment ? Comment ? Pourquoi maintenant ? T'as la même chose ? Mon cher ami, vous êtes toujours aussi divertissant. Vous avez assez joué le rôle d'intendant. Il est grand temps que les ordres royaux retentissent à nouveau entre ces murs. Ah, c'est trop bien ! Oh oui, et moi mon corps. Mon corps qui est là, ses ordres. Qu'allez-vous commander quand moi, votre dernier subalterne, suis puni ? Ah oui, j'imagine que vous avez toujours été un bon serviteur. N'est-ce pas ? Oui, oui, Majesté. Alors discutons maintenant du chemin de votre rédemption. Ah là 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 là. Et voilà. Et pour ceux qui ont vu, si on a regardé le trailer hier, du coup tu comprends le trailer d'hier. C'est trop trop bien. On a bien fait de regarder le trailer du quatrième hier, parce que du coup tu comprends le trailer et de ce qu'on a vu hier dans le trailer. Ah, c'est trop trop bien. Ah là là. Magnifique cinématique de fin. Et donc tu disais, ouais, les énigmes, du coup. Là où on restait bloqué, quoi, c'était des erreurs d'intention ou des défauts, on avait du mal à se parler, quoi, mais sinon le reste, ça avançait vraiment bien. Ouais, c'est ouais, ça. De la difficulté, mais pas trop. Et juste ce qu'il faut, je pense, ouais, pour que ce soit agréable au jeu, quoi. Ouais, non, c'est clairement bien dosé. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, eh bien, merci YouTube d'avoir suivi cette série des We Were Here. Le troisième opus, on fera bien sûr le quatrième quand il sortira, normalement fin 2021, début 2022, si tout se passe bien. Donc, toujours, on le fera avec Flo, le quatrième opus, bien sûr, parce qu'on kiffe cette série-là. Et on fera la suite, bien entendu, en live et sur YouTube, et pour voir la suite des aventures de ces deux. Parce que finalement, dans le premier, on se disait, ouais, c'est juste un truc d'énigme, mais il y a quand même une histoire derrière, hein, qui est construite sur... Il y a quand même un fil rouge. Donc, il me semble que le roi, c'était l'histoire du dieu. Ouais, c'est ça. Il y avait le roi. Sur le 1, il y avait le roi. Mais après, sur le 2, on avait le bouffon, je crois, qui est arrivé, qui était rentré dans le 2. Et là, on a le roi et le bouffon qui sont... Oui, un autre serviteur, je sais plus. Mais dans le 3, on voit leur rencontre... finalement, on avait le retour du bouffon dans le 3, je crois. Et puis là, on voit que finalement, c'est qu'un serviteur. Et je pense que dans le 4, eh bien, on affrontera
le dieu ultime, je suppose. Donc voilà. Sur ce, merci YouTube d'avoir suivi. On se retrouve très très vite, et bien pour la suite des aventures. Allez, bye YouTube.